Salut à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle alimentation Be Quiet, la Power Zone que nous avons reçue dans sa version 750 watts. Une alimentation modulaire 80 plus bronze qui se destine un petit peu plus aux joueurs avec un nouveau design. On vous propose de découvrir tout cela ensemble tout de suite maintenant. C'est sur Cocotte TV. Au niveau du bundle, c'est assez classique avec une notice d'utilisation, des colliers et la visserie et enfin un cordon d'alimentation. On commence tout d'abord avec les câbles qui proposent une nouvelle finition avec un gainage, on le voit, qui est de type noir et orange. C'est joli, c'est bien fait, on a une gaine thermo classique avec un collier en dessous qui vient resserrer la gaine. Au niveau des cordons, on a des dispositifs pour brancher des ventilateurs et un 24 broches ATX, l'alimentation étant en full modulaire. Ensuite, on a deux brins qui proposent tous les deux des câbles en PCI Express 6-8 pins. On a ensuite un câble en 4-8 pins CPU. Viennent ensuite les dispositifs pour les différents périphériques avec un brin qui propose 4 prises SATA. Un autre brin qui dispose lui de 2 prises SATA, 2 prises Molex. Et enfin un dernier brin qui est lui aussi en double Molex et double SATA. Sans plus attendre, on découvre le bloc. Et disons-le, au niveau du style, on est bien servi avec ce bloc, avec un bloc qui fait vraiment très gamer, avec un style un petit peu industriel, très sympathique. On retrouve comme toujours la grille fine chez Be Quiet avec un traitement légèrement granuleux par-dessus. Donc on ne sait pas ce que ça donnera, mais si c'est là, c'est pour une bonne raison. On a ici un logo 750 watts et en dessous, on a un Silent Wing de 135 mm qui continuera à tourner quelques temps après l'extinction de l'alimentation. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On a ensuite, on le voit, des caches en plastique qui courent tout le long de l'alimentation. Vous allez le voir, ça sert le look. Ça permet aussi que ça ne soit pas la carcasse en acier qui repose sur le fond du boîtier. On a ici les différents connecteurs pour tous les câbles modulaires. Donc ici pour les cartes mères, PCI Express, 8 pins CPU. On a ensuite les dispositifs pour les périphériques et enfin pour les prises fan. Sur le côté, on l'a vu, on a le Power Zone. De l'autre côté, c'est exactement la même chose avec un boîtier qui a été imprimé avec des formes, toujours pour servir le look. À l'arrière, on retrouve une grille au design nid d'abeille qui est derrière cette autre grille en plastique. Là aussi, clairement, ça sert le look et ça nous change un petit peu de ce qu'on trouve habituellement. On a le 220 in, l'interrupteur et un logo Be Quiet, qu'on retrouve également ici. Enfin, on termine avec les caractéristiques techniques qui sont inscrites sous le bloc d'alimentation avec un 3V 3 de 25A, un 5V de 25A et un unique rail 12V de 62A, le tout pour 744 volts sur le 12 volts. Le prix, 125 € environ pour ce modèle. Le test très prochainement sur cocotteland.com et on vous dit à très bientôt.